Salut à tous. Alors pour débuter cette nouvelle saison de J'irai golfer et cette année 2021, on vous propose de partir à la découverte du golfe de Saint-François. On est évidemment en Guadeloupe, c'est le seul golfe de l'île, un golfe signé Robert Trent Jones Senior. Alors souvenez-vous, Robert Trent Jones Senior avait également signé un des parcours qu'on avait vu dans les dernières saisons de J'irai golfer, le parcours de Chamonix. Là on change de décor, les cocotiers, les palmiers et on va essayer de vous faire rêver. On est vraiment au point culminant du golf, au départ du numéro 5 des Bacties. Donc on peut voir, on a une vision sur Marie-Galante, sur la Petite Terre, sur la Désirade, les Saintes. Et par très très beau temps, d'accord, derrière Marie-Galante, on peut voir la Dominique. Voilà, par très beau temps. Donc voilà, c'est vraiment le point le plus haut. Donc souvent, d'accord, c'est là que s'arrêtent nos visiteurs pour faire des photos, comme on est là maintenant. Évidemment, il n'y a pas un beau golf sans un architecte de renom. Ici, Robert Trent Jones Senior. Comment c'est venu? Tu sais comment c'est venu, ça, l'idée de faire appel à lui? Ben, c'est Jean-François Rosan, justement, qui parle des voyages qu'il a fait aux États-Unis, d'accord, a pris contact avec ce grand monsieur, d'accord, Robert Trent Jones Senior, d'accord, qui nous a dessiné un parcours magnifique, dont jusqu'à aujourd'hui, d'accord, moi, je ne m'y lasse pas d'y jouer. C'est toujours un bonheur. C'est un parcours qui a été pensé, d'accord, en utilisant, en fait, les alizés, le vent. Okay, on a 18 coups, on a 6 trous vent contre, on a 6 trous vent latéral, gauche-droite, et 6 trous vent latéral dans l'autre sens. Voilà, droite-gauche. Voilà, en fait, ça a été pensé comme ça par rapport aux alizés. Qu'est-ce qu'il faut bien faire ici pour bien jouer ? Bien driver, ensuite surtout d'accord, au niveau des par 3 généralement d'accord, choix de club toujours déterminant parce que à cause du vent, les fautes de profondeur sont courantes, donc vraiment très très voilà, les par 3, ok, et puis les par 5, voilà, bien driver surtout d'accord, et surtout d'accord avoir un jeu de fer assez solide. Ça c'est des pommes, la pomme surette, très bon pour le transit, pour l'intestin, pour la flore intestinale, d'accord. C'est un petit peu acide, ça se croque, donc faut faire attention à l'intérieur. C'est très bon, on adore, et puis après c'est aussi un petit fruit avec lequel on fait le punch maison. Voilà, on le met. C'est un peu une couleur locale, c'est l'arrêt obligé. L'arrêt obligé, tout à fait. En saison, hein, en saison, d'accord. Donc voilà, donc on s'arrête forcément d'accord là pour prendre quelques pommes surettes et continuer la partie. Alors JP, ce goût ? Pas mal, un peu comme une pomme granny. Tu parlais justement d'un joueur qui avait, on va dire, déchiré le parcours, ça s'était déroulé sans vent. Raconte-nous un peu cette édition. Ben, l'édition, c'était la 3e édition, en la personne du joueur professionnel anglais, Jack Senior, qui nous a pulvérisé le parcours avec un score de moins 21 sur 3 tours. Donc une moyenne de moins 7 par tour. Bon, effectivement, il a bénéficié du fait que le parcours était sec, beaucoup de roule, pas de vent. Donc sa stratégie a payé. Donc très souvent, d'accord, il avait drive, chip pour aller sur le green, même certains greens, comme le green du 4, il a drivé en 1, le green du 10, il a drivé en 1. C'était quand même assez impressionnant, et d'ailleurs ça a suscité, d'accord, l'envie au niveau de nos jeunes, d'accord, de voir que c'est possible, ok. Et depuis, effectivement, on a un petit regain d'activité au niveau de l'école de golf. Effectivement, depuis 10 ans, on sent vraiment, d'accord, le fait d'accueillir cet événement, ça incite nos jeunes à de plus en plus, d'accord, s'intéresser au golf, et surtout à la partie un peu le golf, à la partie sport. Le golf se développe beaucoup sur l'île. Il y a évidemment ce parcours, mais tu nous parlais aussi d'un,
d'un pitch and putt. C'est un parcours qui se trouve aux Abîmes, c'est ça? Aux Abîmes, donc aux Abîmes, juste en bout de piste, au décollage effectivement, d'accord, on survole le pitch and putt des Abîmes. Tout à fait, donc c'est vrai que depuis la création de ce pitch and putt, d'accord, inauguré par l'ancien président de la Fédération française de golf, M. Claude Rougier-Cartier, et depuis effectivement, d'accord, on a vu effectivement, d'accord, une augmentation, d'accord, des golfeurs locaux. Donc ça a permis vraiment, d'accord, ça a joué son rôle, c'était le but. Et ça a joué son rôle et ça continue encore à le jouer. Parce qu'en fait, on remarque à Saint-François, d'accord, une augmentation, d'accord, des membres locaux, d'accord, de plus en plus de Guadeloupéens, d'accord, qui se mettent au golf. Voilà, grâce effectivement à cet outil, d'accord, qui permet effectivement d'initier, d'accord, et de développer en fait l'activité.